Coucou, je vous fais une petite vidéo un peu tardivement, oui, parce que j'ai pris du retard sur la boîte à beauté. Enfin, une promotion qui est en ce moment sur la boîte à beauté. Il y a pour 45 euros, il y avait la Scala, donc la boîte d'octobre, puisqu'on est novembre, elle sort tous les 2 mois, avec une boîte offerte au hasard dans l'année 2013. Donc il y a de grandes chances que j'ai cette boîte déjà en ma possession, puisque j'en ai déjà commandé au moins 4, des boîtes à beauté, 3 ou 4. Je ne sais plus, ça fait 2-3 mois que j'en ai pas commandé. Et il va sortir aussi celle de Noël, mais ce n'est pas celle-ci que je vous présente. Là, c'est en sachant qu'une boîte à beauté, c'est que des produits grand format, enfin format de vente, c'est pas des échantillons. Et ça coûte une boîte mensuelle 29 euros hors frais de port. Donc ça fait 32 euros fort avec les frais d'envoi avec. Excusez-moi, ça commence bien. Et là, j'ai payé 45 euros de boîte à beauté. Alors, j'ai commencé un peu à ouvrir. Il y a mon chat qui est dans le carton. Le carton, c'est le carton qui a le capot avec mon adresse, donc c'est pas bien grave. C'est un chat. Alors, j'ai reçu les deux boîtes. Hein, j'ai tout avec le carton. J'ai reçu dans un carton comme ça. Et il y avait deux boxes de la boîte à beauté à la queue leu leu, avec le petit logo que vous reconnaîtrez. Il y en a qui ont déjà dû l'avoir, la Scala. J'ouvre au hasard, hein. Ça peut être la boîte, la box offerte ou la Scala. Voilà, une petite boîte comme ça, avec le logo. Quand vous ouvrez les petits papiers, ça, un petit pochon qui est typique de la boîte à beauté. C'est une boîte que j'affectionne particulièrement parce que j'aime bien les produits, les marques qu'ils font, et c'est des gros formats, c'est original. C'est rare que je sois déçue des produits, c'est des produits finalement de grandes marques et de bonne qualité. Alors, ça sera un petit pochon comme ça, vous reconnaîtrez, il est bleu, bleu ciel celui-là. Et celle-ci, si je ne dis pas de bêtises. Ah, j'ai un petit menu de ma boîte à beauté. Voilà. Et c'est la Panama, qui était une belle boîte. Je l'ai déjà reçue. Avec un petit mot éditorial. Et ça, c'est les produits qu'il y a dedans. Ils font dans des petits pochons comme ça. Alors, le nœud, je vais un petit peu galérer pour l'enlever. Pour le dénouer, on va dire. Il y a un triple nœud. J'ai voulu prendre de l'avance en ouvrant. Voilà. Alors, on attaque. Bon, il y en a qui l'ont peut-être déjà vu cette vidéo. On kiffe, hein. La vidéo de la Panama. Alors il y a, oui, le savon d'argan soft soap de Maro Kissim, que j'avais déjà présenté dans la vidéo de la Panama. C'est un gommage corporel. Et c'est à l'argan, je crois. Le savon noir fabriqué à base d'huile d'olive prépare la peau avant le gommage avec le gant de Kessa. Le savon d'argan Maro Kissim, un délicat parfum de miel, est fabriqué selon le même principe et l'adjonction d'huile d'argan la rend riche en vitamines et puissamment hydratante. Conseil d'utilisation, humidifier puis émulsionner le savon d'argan sur la totalité du corps et du visage. En évitant soigneusement les yeux et laisser agir environ une dizaine de minutes, rincer abondamment et procéder ensuite au gommage à l'aide du gant de Kessa, afin d'éliminer les peaux mortes et les impuretés. Se rince à nouveau avec de l'eau tiède, la peau est parfaitement propre et douce.
Après, ces ingrédients, potassium, olivate, aqua, glycérine. Pas si vous y verrez. Voilà. Et je crois que c'est en petit escargot qu'on l'ouvre, en spirale. Voilà. Normalement, c'est la même boîte. Voilà. C'est... Ouais, ça sent le miel. Très agréable. Prendre le temps quand on va au bain ou à la douche. Il y a 200 ml. Voilà. Poser à côté du chat. Alors ça, c'est Funibi. C'est une mousse nettoyante du matin. Vous avez déjà dû la voir. C'est une petite marque qu'on en a beaucoup entendu parler. Avec un petit spray. C'est bio. Swimming, morning, mousse florale nettoyante exfoliante aux extraits actifs de mélèze. Laboratoire Alma Organique. On commence moins la moitié de tout. On peut commencer n'importe où, même par le commencement, le tout de commencer Nancy. Ça, c'est une phrase qui m'a toujours bien plu. Il y a valable 6 mois, 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle, donc dont 80,5% issus de l'agriculture biologique, sans parabènes, silicone, PEG, phénoxyéthanol, colorant et parfum de synthèse. Voilà, je l'ai essayé cet été, celui-là. Ça, c'est la Panama, c'était cet été. Petit gel. Mousson. Nettoyant. Ah, une limite. Ah, le chat est parti. Alors, ça, je me souviens, c'était pour les cuticules. C'est nouveau. Et moi, pour le bruit du plastique, je l'ai enlevé. Nevo, c'est une huile pour les cuticules. Voilà, en pipette. 24 mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit raconter au fait? Minéral, parfum, flagrance. Vous mettez tout autour des cuticules de la mer morte spa. 25 ml. Alors, si je me souviens bien, ça se présente comme ça. Avec la pipette, comme vous voyez, avec la goutte, et vous mettez autour des cuticules pour les ramollir. Voilà, j'en ai un paquet. C'est pas mon préféré. Il est bien hydratant. Je ferai une revue, mais quand j'aurai utilisé tous mes produits, je ne peux pas faire une revue des produits que j'utilisais en une semaine. J'aime bien quand même mettre une idée sur plusieurs mois. Alors. Ça, c'est le beurre de mangue. Voilà, je l'avais déjà eu aussi celui-là. Le petit beurre de mangue. En petit pot. De Cospari. Enrichi au beurre de karité, notre beurre est idéal pour le soin des cheveux fragiles et secs. Il nourrit également les peaux déshydratées. Appliqué en massage sur les cheveux avant le shampoing et ou sur les zones sèches, jambes ou pieds. Beurre de mangue, 100% naturel, made in France. Voilà, les ingrédients plus bas. Oh, ça glisse. C'est parce que j'ai mis l'huile de cuticule. Voilà, c'est une cire. Ça se présente en format cire, c'est à dur. Et ça se liquifie à la chaleur. Voilà, c'est un peu huileux. Une cire pour les cheveux ou corporel ou le visage. Le visage, je n'ai pas essayé. Je crains de mettre sur le visage les produits. Voilà. Hop. Alors, et il y a ce produit, je l'ai déjà vu aussi. C'est le lait hydratant à l'aloe vera, peau normale à grasse. De Jovis. Voilà. Vous voyez bien ce que c'est, moi avec la lumière artificielle, ça va pas faire terrible. Là, je l'ouvre pas, il y a un petit opercule de sécurité. L'autre, je l'ai pas ouvert, donc ça m'en fait deux. Voilà,
les ingrédients et l'explication. Hydratant à l'aloe vera, conseil d'utilisation, appliqué sur tout le visage et le cou matin et soir après l'utilisation du gel nettoyant au détrit de Jovis. Oui, bon, vous pouvez utiliser n'importe quel gel. Hein. Après, c'est en anglais. Voilà, c'est un petit lait hydratant à l'aloe vera à 200 ml. Formule nature essence Ayurveda pour les peaux normales à grasses. Voilà. Là, je ne l'ai pas encore essayé parce que j'ai d'autres produits que j'ai entamés. L'aloe vera, j'en avais ramené, comme je l'avais déjà dit, de Fuerteventura. C'est une très bonne plante avec des propriétés régénérantes pour la peau et les peaux sensibles. Et pour les coups de soleil, elle est efficace pour pas mal de trucs. Alors, on va retrouver le petit gel pour les jambes et jambes lourdes avec le petit fan des sénèves pour une sensation immédiate de fraîcheur et des jambes légères, si légères. Celui-là, je l'ai utilisé. La vigne rouge et la menthe poivrée, c'est une odeur de menthe poivrée, oui. Active la microcirculation superficielle de l'épiderme et procure un effet fraîcheur immédiat. Il y a 75 ml qui dure 12 mois. Voilà. Ça, je crois pas qu'il y ait un petit 4 mois, non. Je me confirme, ça sent la menthe poivrée. Un petit gel, hein, ça. Il y a peut-être une opercule. Oui, je dis une bêtise, il y a une opercule. C'est pour ça que ça ne sentait pas. Tiens, je ne vais pas l'entamer tout de suite non plus. C'est un petit gel vivifiant pour les jambes lourdes. Voilà. Avec deux petits fans. Hop. Je suis rapidement parce que j'avais déjà fait une vidéo de celle-ci. Attendez, je remets le capuchon. Voilà. Maintenant que mon chat est parti, je peux mettre les produits. Hop. Alors, ça c'est un petit vernis. Je crois que je ne sais plus si j'ai vu cette couleur. C'est un petit vernis de numéro 39, Art Déco. C'est un petit corail. Un petit corail. Pas de quelle couleur vous le voyez. Un peu plus clair peut-être. Et c'est le numéro 39, il doit y avoir le nom de la teinte. Je vais regarder après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 ml. Nailacker, Nagelac. Oui, c'est pratique comme format. Céramique, j'en ai un paquet de petits vernis. Avec une petite bille. Un petit pinceau. Voilà. Petit vernis qu'on peut transporter en voyage. Hop. Une jolie couleur. Je peux pas vous dire si c'était le même que j'ai reçu. Je crois, mais je suis pas certaine. Et il y a un dernier produit qui ne me dit rien. C'est le Skin Code. J'avais reçu une Skin Code. Mais c'était une crème solaire la dernière fois. Ça, c'est exclusive. Cellular Ice Lift Power Pen. Stylo cellulaire total lift contour yeux. Attendez, il est dans un petit sachet. Alors, il faut savoir que Skin Code, c'est une marque très chère. J'avais acheté une crème, ça vaut entre 40. Tous les produits sont entre 30 et 40 euros en moyenne. Je vous l'ouvre dans son petit sachet. Il y a quand même 15 ml. Si je ne me trompe pas, ça vaut une quarantaine d'euros ce truc. C'est un stylo bille pour tonifier et enlever les cernes contour des yeux. Voilà, et ça doit se présenter. Avec une petite bille. Voilà, c'est ça. J'ai lorgné ce produit. Ça tombe bien, je cherchais un produit pour le contour des yeux. Et on arrive en période automnale où on est un peu plus fatigué. Pas totalement parce qu'on n'a pas encore 6 mois d'hiver. Et c'est une petite bille. Vous voyez.
maquillée en live. Je suis pas maquillée, hein. Excuserai. On me prend... Ah, ça fait frais, oui. On me prendrait naturel. Ça fait frais. C'est agréable. Je crois que j'ai appris une bille comme ça, c'était un Chanel, mais il y a des années de ça. Je ne vous dis pas combien ça m'avait coûté à l'époque. Alors, Skincad, c'est Switzerland, oui, c'est un produit suisse. Alors, stylo cellulaire tout, qui lift le contour des yeux. Il y a 15 ml, duré 6 mois. Là, je l'ai entamé parce que je l'ai utilisé, fait en Suisse. Je vous en dirai ce que j'en penserai un peu plus tard. Mais ça m'a l'air pas mal. Et c'est un beau cadeau parce que je vous dis, ça vaut 40 euros ce truc. En 15 ml, toujours des formats de vente. Il n'y a pas la boîte, non, on s'en fout. Hein. Ce qui est important, c'est le produit en soi. S'il y a des packaging et qu'il y a des produits nuls, ça ne va pas le faire. Voilà, j'ai fini, j'ai vidé. Là, il y a le petit numéro, je pense, de suivi, enfin, de suivi de contrôle. Dans la petite pochette, je vais tout ranger après, parce que sinon j'ai perdu du temps. Et la dernière, que les deux, hein, pour 45 euros les deux. Hein. J'ai la Scala, c'est marqué, ben tiens, c'était peut-être marqué sur l'offre, là je viens de le voir. C'est marqué Scala. Le petit logo, bien sûr. Ça s'ouvre en tirant dessus. Là. Hop. Celle-ci, j'ai regardé. Brièvement, on va dire, sur les autres vidéos, je n'ai pas la mémoire de tous les produits. Alors, il y a le petit menu devant, du petit papier noir, il doit y avoir la pochette en dessous. Petit menu, la boîte à bouter, comme. Cette offre est toujours valable. C'est la Scala au diapason de votre beauté, c'est maintenant une évidence, entre nous c'est du sérieux. Boîte après boîte s'est installée. Un climat de confiance et d'harmonie qu'aucun bémol n'est venu gâcher. Qui se ressemble, s'assemble, l'adage est bien connu et pour rien au monde, nous nous changerions notre concept. Très différent des box échantillons, car vous êtes de plus en plus nombreuses à témoigner de votre attachement à notre nouvelle formule. Avec la Scala, nous restons dans le répertoire du bien-être et du naturel. La gamme de produits que nous vous proposons cette fois-ci est un cocktail de pureté et de sensualité. Encore une fois, vous allez découvrir une palette de marques sélectionnées par nos soins, avec toujours la même envie de vous surprendre et vous plaire pour vous remercier de votre fidélité. Retrouvez nos marques partenaires sur notre site internet, testez et faites-nous part de vos impressions. Parrainez, achetez vos coups de cœur, soins et beauté sur notre e-boutique. Partagez votre passion avec la communauté des fans de ma boîte à beauté sur Facebook ou sur notre magazine. Retrouvez-nous sur www.boiteabeauté.com. Toute l'équipe de ma boîte à beauté. Et ça, c'est tous les produits qu'on va découvrir. Je vais garder le petit menu à portée de main. Je ne la connais pas par cœur. Alors, il y a un petit papier noir. Et elle est abricoté clair, on va dire. Petite pochette. On va sortir de la boîte. Voilà. Comment on fait des boîtes ? Il y a le petit cordon toujours avec marqué ma boîte à beauté.com. Petite belle. Je perds mon petit machin noir, c'est pas grave. Petit pochon abricoté. Alors, on va essayer de défaire le nœud. Ça, c'est la pastille qui est tombée. Ah, c'est bon. Il y a moins de nœuds. Parce que je me rapproche un petit peu. J'avais fait une vidéo sur YouTube avec les meilleurs moments. Alors, je prends au pied fin. C'est SOS Skin. C'est un gel doux nettoyant. Et j'arrive pas à lire à l'envers. Voilà. Vous pouvez le lire. Il y a 125 ml. C'est un gel nettoyant purifiant pour peau mixte ou grasse. Extrait de concombre, ça tombe bien, j'ai la peau mixte. C'est pas de saison, je l'utiliserai plus tard, ça dure 12 mois.
pour les peaux mixtes. Ce gel moussant nettoyant purifie, élimine les impuretés et l'excès de sébum. Sa formulation anti-imperfection à base d'un complexe végétal, myrrhe, pardane, plantain, mauve, thym et d'huile essentielle arbre à thé combinée à l'extrait de concombre laisse la peau nette et saine. Appliquez sur une peau humide et faire mousser. Rincez puis appliquez la lotion douce purifiante SOS Skin. Testée dermatologiquement. Made in France. C'est un petit gel, on va dire vert clair. La sentir. Ça sent le concombre, effectivement. Pas désagréable, commandeur. Bon, faut aimer le concombre, moi j'aime bien. Là, je prends plus de temps que je la découvre. Ça sent bon. À essayer. Il n'y a plus qu'à. Là, le matin, à la limite. Voilà. Format quand même de 125. Ce que je dis, c'est gros format. Après, il y a quoi? Il y a la terre, tiens, terre caramel, une couleur caramel. Tiens, une marque que je voulais essayer. C'est une marque bio. Voilà. Alors, c'est une terre caramel effet mat bronzé, protectrice et structurante. Coquille powered. Matanide, alors j'espère qu'il n'est pas trop foncé parce que j'ai la peau très claire. C'est la numéro 8, ça ne me parle absolument pas. Dans l'immédiat, je vais l'ouvrir. Alors 100% tout à fait ingrédients naturels, c'est écossaire. Donc derrière, là, je dirais le suspense. Il y a 10 grammes. Allez, on va l'ouvrir. Si je ne peux pas l'utiliser, j'en ferai un cadeau. Entre du carton recyclé. Ouais, on voice, sinon testé sur les bestioles. Les animaux. Vous voyez en bas à gauche, one voice. C'est une marque biologique et non testée sur les animaux. Elle est assez connue, terre caramel, notamment pour ses maquillages. Et j'en bave un peu pour l'ouvrir. Voilà. C'est terre caramel. Voilà, ça se présente comme ça. Packaging est toujours comme ça. 17 mois, terre caramel. Made in Italy. Là. Oula, c'est foncé, oui, effectivement. Je vais voir, attends, faut que je vois au maquillage. Mais... Enfin, c'est foncé, ça paraît foncé. Après, ça dépend comment on l'utilise. Une espèce de... Ouais, c'est assez foncé. Je vais essayer de vous la passer sur ma main. Quand en plus, on est en lumière artificielle. Ouais, c'est un peu foncé pour moi. Ah, je pense pas l'utiliser tout de suite. Voilà, ça fait ça. Texture est... Ou en estompant, peut-être encore. Voilà, là, j'ai estompé un peu. À essayer. Je n'ai pas l'habitude de mettre des terres de soleil, on va dire. Bon, en sculptant le visage, peut-être. Faut que j'essaye. En tout cas, c'est une très bonne marque, terre caramel. Pour les peaux sensibles et bio. Et non testé sur les petits animaux, ce qui est assez rare pour le signaler. Qui marque enrichi aux extraits de cacao pour des propriétés relaxantes et protectrices. C'est une terre de soleil. Pour un effet bronzé, appliquez la terre caramel avec le pinceau poudre sur l'ensemble du visage et du cou. Pour un effet structuré, je vais plutôt faire ça, appliquez la terre caramel avec le pinceau blush sur les pommettes et sur le haut du front. En gros, là. Et le contour de votre rond, je vais pas vous le faire là, hein. Je suis pas équipée. Voilà, pour se donner bonne mine, il y en a qui le font. Je suis tellement pâle, que je ne le fais pas forcément. Alors, je prends un truc rigolo là, chi, je sais pas ce que c'est.
un petit... pour les cheveux peut-être. Non, je vois Total Protect. Alors c'est plutôt pour la peau. Chie. Total Protect. Défense lotion. C'est pour les cheveux. Shield Air Admoustu. Lotion de défense. Protège les cheveux et ajoute de l'hydratation. Bah tiens, moi qui est ma confesse qui me dit que j'ai les cheveux déshydratés. Ça a essayé. Made in USA. Où est ça? C'est un spray pour les cheveux. Alors, on va voir si ça a utilisé sec ou mouillé. Un mode d'emploi. En appuyant 2-3 fois sur la pompe, mettre le produit dans le paume de la main, frotter les mains ensemble et sur les cheveux séchés, à la serviette, appliquer uniformément le produit en partant des pointes allant jusqu'au cuir chevelu. Sécher et coiffer les cheveux comme désiré. Non testé sur les animaux. Voilà, ça aussi, c'est non testé sur les animaux. Je ne sais pas si vous le verrez. Attendez. Ok, on est par là. Ouais, c'est en gras. Voilà, je ne sais pas si vous y verrez. Parce que c'est... Je vous le fais de nuit. À essayer. Je peux l'ouvrir comme ça parce que si vous voyez bien, il y a un petit protection pour pas que le spray s'enclenche tout seul. Je vais juste regarder la texture que ça a, ce truc. Oui, c'est assez épais. Ouais, c'est assez concentré. Ça sent bon. C'est fleuri comme odeur tout en restant discret. Je connaissais pas Chi. Voilà. C'est un soin pour les cheveux déshydratés. À essayer après un shampoing. Il y a combien là-dedans? Il y a 59 ml. 12 mois. Et c'est américain. À essayer. Cool. Oui, faut que j'achète le coiffeur, je sais. Ah, oula, il y en a encore pas mal. Hein. Il y a l'Argandia, crème pour les mains à l'argan, à la fleur d'oranger, nourrit et adoucit, des argan and cream, c'est bio et écossaire, made in France. Voilà, c'est une crème à l'argan et à la fleur d'oranger. J'adore cette odeur de fleur d'oranger, hein, normalement. Un petit format. 18 mois. 30 ml, ouais, petit format, enfin 30 ml. Hein. Cette crème, main riche en argan bio équitable, en beurre de karité bio et en aloe vera bio, nourrit, hydrate et soulage les mains sèches ou abîmées tout en les protégeant du vieillissement cutané. Appliquez la crème main et ongles aussi souvent que nécessaire. C'est pour les ongles aussi? C'est pas mal. Bon, alors c'est à l'Argandia. On va sentir un peu si. Oui, ça va, il n'y a pas d'opercule. On va essayer. Super. Ah oui, ça sent la fleur d'oranger. Moi j'adore, après c'est. Faut aimer. Ça sent fortement la fleur d'oranger. Si vous voyez, je suis toujours en lumière artificielle, pardonnez-moi, mais on n'a pas tellement de soleil depuis quelques jours. Voilà, un petit tube sympa, ça peut se mettre dans le sac. Ah, ça sonne. Alors, un autre truc, c'est Mama Bali Spa du corps et de l'esprit Paris, crème corps parfum rangipanier. Crème riche, tout est riche. Crème corps parfum frangipanier, si vous connaissez pas moi, crème contenant de l'huile de sésame, riche en acides gras, conseil d'application à utiliser en massage corporel sur le corps, recommandé pour les peaux sèches. Ben, ça tombe bien, j'ai la peau sèche pour le corps. Parce que moi, je vous remontre, je ne sais pas si je l'ai montré. Voilà.
Là, il y a une opercule, mais je vais l'ouvrir parce que crème pour le corps, ça descend vite. Petite opercule là. De sécurité. N'oubliez pas les entamer tout de suite. C'est pas très épais, c'est assez liquide. Elles sont bonnes. Punaise. Oui, excusez-moi, je fais des. Ah, je pourrais pas vous dire ce que ça sent. Ils disent frangipané. On dirait la monoï un peu. La monoï avec un autre truc. Attendez, je regarde la composition. Parfum acacia. Sénégal gomme, xanthan gomme, benzyl alcool. L'acacia. Ça ressemble, oui. Vous savez, les produits d'Yves Rocher, les produits bleus, là. Je ne sais pas si c'est la monoï. Bon, vous voyez, les produits, là, gel douche bleu. Mais ça sent en mieux, je dirais. Ça sent plus chimique, peut-être, Yves Rocher. À la fleur de diarrhée, je crois, ou de monoï, à la fleur. Ça sent bon, excusez-moi, je sniffe en même temps. D'ailleurs, on le voit qu'il y a des fleurs. Pour rappeler l'odeur. Bah tiens, pour l'hiver, ça remonte bien le moral. Là, pour le corps. On va faire peut-être une friction ce soir. Oui, excusez-moi, on entend peut-être mon nez qui sniffe, mais c'est une odeur vraiment agréable. Ça rappelle les vacances. Et on est quand même au mois de novembre. Mi-novembre, ça c'est la. C'est celle-ci qui est d'octobre, puisqu'elle sort tous les deux mois. Il y a encore deux trucs. C'est Polenia, c'est un déodorant à la propolis. Bio aussi, préserve et rafraîchit. Alors, j'aime pas forcément les déodorants bio. Ils sont pas forcément efficaces. Bon, c'est généralement, ça protège plus le corps, parce qu'il y a pas mal d'aluminium dans les synthétiques. Voilà, il est bio. Derrière, il doit y avoir l'explication. Et de toute façon, je m'en sers énormément. C'est un déodorant bille. Je suis très déo, moi. Et ça tombe bien, j'utilise pas mal de déodorants à bille. Même ça sent bon. Après, à voir si c'est efficace, que je transpire énormément. Je transpire et en plus, je sens, c'est ça. Voilà, j'ai un mélange de. Les deux produits, ça donne. Alors, évitez d'appliquer sur une peau récemment épilée ou rasée. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 22% au total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Des éco-serres, je l'ai déjà montré. Moi, j'aime bien les produits écolo. Bio. 12 mois. D'ailleurs, je devais en racheter. Celui-là, ça va être mon prochain déodorant. Polenia, je ne connaissais pas. 50 ml, c'est le format classique, on va dire, d'un déodorant. Petite bille, c'est à utiliser, à essayer. De toute façon, le frais, ouais. Préserve et rafraîchit, c'est rafraîchissant. De toute façon, un peu l'herbe. L'herbe coupée. Avec un peu anisé, voilà. Moi, c'est comme ça que je le décris. Mais mon nez est peut-être bizarre. Ils sont vraiment bons, hein. Excusez-moi de revenir sur... Et là, avec tout ce que je me suis mis, celui-là, hein. Ça sent vraiment les vacances. Ah la vache. Et il reste deux produits, je ne sais pas y dire un. Il y a oligodermie, un gel gommant velours à l'argan et au jojoba. Voilà, c'est un petit gommage pour le visage. 6 mois. Voilà. Derrière, il y a la notice. Il y a combien il doit y avoir 50 ml.
Alors, ce gel ombré, donc il doit être ombré, gomme en douceur les cellules mortes et ravine les. Et ravive. Ravine. Non, il ravine pas, hein. Il ravive. Il ravive l'éclat du thym, la cire de jojoba et la poudre issue des coques du fruit de l'argagné sont des exfoliants doux et naturels. L'eau florale de rose d'Amar est connue pour ses vertus tonifiantes et astringentes. Humectez légèrement la peau, appliquez sur le visage et le cou, bigommez délicatement en évitant le contour des yeux, rincez à l'eau tiède. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau, utilisez une à deux fois par semaine. Tiens, je vais laisser ce soir. Pour tout type de peau, sauf pour les peaux irritées. Alors, après ça en anglais. Aqua, méthylopropanadiol, rosa, étré, bon, ça va. Bon, il y a du peg, c'est pas vidéo aussi. Mais l'ingrédient, la fleur est en première ligne, donc c'est assez naturel. Archange, je joue pas. Quand je dis assez naturel, ça veut dire qu'il vaut mieux que les produits, les plantes soient en première ligne, ça veut dire qu'il y en a, la quantité est au maximum. Si c'est en dernière ligne, ça veut dire qu'il y a vraiment des extraits minimum, puisqu'il classe les ingrédients par ordre de pourcentage. Les premières lignes, c'est ce qu'il y a de plus dans le produit, ce qu'il y a de, contient le plus le produit, et en dernière ligne, c'est ce qui contient le moins. Donc les produits chimiques ou les conservateurs, vaut mieux que ce soit en dernier. Et c'est le cas. Jojoba, il y a de l'huile de castor, ça c'est pas terrible. Pas terrible, c'est pour mes nautiques à moi. Et je vais pas l'ouvrir, m'excuserai. Parce qu'il y a un petit opercule de sécurité. Voilà. Quoique je vais pas l'ouvrir, je dis ça, mais. Non, j'en ai d'autres. Quoique la curiosité me pousse. Je le fais assez souvent. Oui, c'est ombré. Voilà. Cette texture-là. Il y a des petits grains. Je vais en voir un là. Hop là. Voilà, c'est. C'est une odeur douce. C'est assez doux. Après, c'est discret. Moi, je vais l'essayer ce soir. Je vais me ramener avec la lita. Oligodermie. Voilà. Ah, c'est là, 50 ml. Depuis que je les cherche, les 50 ml. Hop. Bon, celui-là est utilisé parce qu'il est ouvert. Et il reste le purissime à écossaire encore bio, arôme express, peau sensible et fragilisée. Attends, je ne sais pas si c'est pour les boutons. Pour le moment, je ne peux pas vous dire, c'est vert. Voilà, c'est écossaire bio. Il y a beaucoup, c'est, beaucoup de produits bio et écossaire dans cette box. Ce sérum anti-rougeur, ah non, c'est mieux que les anti-imperfections, c'est anti-rougeur, moi qui suis sujette à ça. Alors que là, vous ne le voyez peut-être pas. Ce sérum anti-rougeur concentre en actifs végétaux calmes, prévient et atténue les sensibilités de la peau grâce aux vertus décongestionnantes, des huiles essentielles, délicherise, ouais, c'est avec un Y. De camomille, voilà, matricaire et au macérat d'arnica des montagnes. La peau est réconfortée, apaisée et renforcée. Conseil d'utilisation massé sur la zone sensible ou sur les rougeurs diffuses, sur nos peaux parfaitement nettoyées ou pendant la journée. Évitez le contour des yeux et des lèvres. Déconseillé en cas d'allergie à l'un des composants. Il y a 15 ml. C'est ingrédients issus de l'agriculture biologique. Alors, comment ça se présente ce machin? C'est en billes aussi. De plusieurs petits machins en billes. Et. Ah, ça sent assez. Ça, c'est vert. Vous pouvez le voir. Voilà. Et moi,
là où j'ai du rouge, généralement, c'est par là. Voilà. Bon. Il y a de quoi chouchouter ma peau. Hein. Voilà. Mais bon, petit produit, moi. Globalement, je suis compressée. Huileux. Par contre, ça sent pas la rose. Hein. Je vais vous le dire tout de suite. Ça sent... Comment dire, ben, c'est poivré comme odeur. Ben, pour l'hiver aussi, on a une allergie. Voilà, c'est une huile. Là, j'ai eu la main un peu lourde hein, en l'essayant. Voilà. Et là, que... Ben voilà, j'ai tout vidé. Ça me tient une belle boîte. Et le petit pochon. Et ça m'a coûté 45 euros ce truc. Attends. Et j'ai fait. Mais je suis tout tombé, moi. C'est ma... Tout le monde me connaît maintenant. Et ça, c'est le petit menu. Tout ce qu'il y avait dedans. Mm-hmm. Je vous regarderai sur le. Alors, j'ai oublié de regarder Purissime, situé en Haute-Provence, c'est le dernier produit. Où la fleur sauvage est riche et variée, le laboratoire Combe d'Az offre une large sélection de produits aromatiques pour le public et les professionnels. Huile essentielle, eau florale et huile végétale pour un bien-être permanent. Voilà, bon, il n'y a que le truc couleur caramel, mais en contourning peut-être. Vous regarderez, c'est sur le site, parce que c'est la Scala. Vous avez dû, il y en a qui ont dû déjà voir les vidéos. Hein. C'est pas celle de Noël. Hein. Il y a pas mal. Moi, j'aime beaucoup les produits bio et éco. Et c'est, elle est remplie principalement de ces produits. Donc, pour moi, c'est un plus. Moi qui n'aime pas trop les produits chimiques. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas combien de temps elle a duré la vidéo encore. Parce que là, j'en ai fait deux. Hein. Et bisous, et puis à bientôt, puisque j'en attends d'autres. Hein. Bah, pour celle de Noël, je ne sais pas si je vais la commander encore. Parce que peut-être, je ne sais pas.